Bonjour tout le monde. Je me posais une question. Est-ce que vous faites aussi des insomnies de dingue pendant ce confinement? Moi oui. C'est donc tout en fraîcheur matinale, un peu décoiffée, que j'aimerais vous lire aujourd'hui trois haïkus. Les haïkus, ce sont des petits poèmes courts japonais. Et je vous invite à regarder sur internet un peu ce que c'est, l'esprit du haïku. Parce que ce sera, je pense, plus intéressant que tout ce que je pourrais en dire ce matin, là, dans cet état. Donc, moi, je vais vous en lire trois que j'ai choisis, que j'adore. Et la seule chose avec le haïku, c'est que c'est un petit peu comme l'hypnose. On comprend pas tout, et puis on laisse résonner. Et on fait confiance qu'il y a quelque chose dans ce qu'on ne comprend pas qui peut nous parler quand même. Alors, le premier, il est de Matsuo Basho, qui est un des très grands poètes de haïku japonais. Et je vous le lis. Au printemps qui s'en va, les oiseaux crient, les yeux des poissons en larmes. Le second, il est de Kobayashi Issa. Averse de pétales, je voudrais boire l'eau des brumes lointaines. Et le dernier, il est du même auteur. Rien qui m'appartienne, sinon la paix du cœur et la fraîcheur de l'air. Peut-être mon préféré. Voilà, en espérant que ça mette un peu de fraîcheur dans votre matin, je vous dis à demain pour une lecture de poèmes. Et puis aussi à tout à l'heure pour le lancement du troisième enregistrement d'hypnose que je vais présenter avec une vidéo toute spéciale. Voilà. À tout bientôt.